Bonsoir demoiselle. Demoiselle, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je sais pas, qu'est-ce que vous faites là seul comme ça là? Madame, on peut prendre en fait. Vous habitez le quartier? Vous n'êtes pas ici? Non. Sérieux, c'est pourquoi? C'est logique, c'est la première fois que je vois une telle beauté dans ce quartier. Si. Tu es sublime quoi, je sais pas comment te qualifier. Donc moi c'est Julien Zrodor, hein. Je suis nouvellement venu dans ce quartier. Et il y a 3 jours je vais quitter la France. Moi, non, moi je suis pas ici, je suis nouvellement venu. Il y a 3 jours seulement, j'ai quitté la France. J'ai quitté la France et je sais pas, moi je suis un homme d'affaires quoi. Je suis venu ici pour régler quelques affaires. Et qu'est-ce que tu as vu comme ça? C'est vrai, ma belle. Tu as peut-être que c'est comme si tu as gagné, mais Dieu t'a béni en fait. Dieu t'a béni. Mais le gosse, je vais te mettre dans la moitié. Amen. C'est vrai. Tu as raison. Parce que moi-même, avant de venir ici, j'avais déjà la prédiction que j'allais rencontrer. Belle femme comme toi, et l'amener en même temps en France et faire mariage, c'est que je ne sais pas. Écoute, je vais changer ta vie. Tu me vois comme tu sais, je peux changer ta vie. Sérieux? Non, tu me gardes de rien, tu vas plus venir à ton maison. Mais il y a ça. Il y a ça. Tu vas me donner ton contact, je sais pas, tu attaques que sinon j'ai mon chauffeur qui doit venir me chercher maintenant. Ah. Il a eu un retard, quoi, je vais marcher un peu pour le rencontrer. Mais moi j'attendais quelqu'un. Hein? Mais elle ne te connaît quoi. On est en Asie midi. Donc j'ai pas trop cerné cette partie là. J'ai pas trop compris. Ah, si j'ai pas trop compris. Ouais. Bon. Si tu n'es pas pressé, on peut faire un pas, prendre un pot, bien si tu es pressé, tu me donnes ton contact et il n'y a pas de souci. Vous savez. Dieu, mais elle ne te connaît pas, mais on a voilà. Je vous français. Je suis pas. Bon, il n'y a pas de soucis. Ce que nous allons faire, bon, il me semble que mon chauffeur déjà approche. Il n'y a pas de soucis. Je vais prendre le contact et. Il y a rien. Non, il n'y a pas de soucis. C'est mes petits, il y a des gens qui sont dans le quartier. Mais on a mis aussi en France. Mais c'est mes petits, et bien, mais quoi des fois, de les bons dans le monde. Srobo! Jeune frère! C'est moi? Srobo, comment tu vas? Tu m'appelles la fois dernière, j'ai marqué ton appel. Ayomé Azala Midi, comment tu vas? C'est pas moi, peut-être vous vous trompez de personne. C'est pas moi. Ouais, Srobo, c'est Abyss. C'est mes petits. Non, mais c'est mes petits. Zrobo, c'est pas moi. Tu m'avais demandé de l'argent la fois dernière. On m'appelle, tu vois, moi, et le tas, ouais, quoi. Mais moi, non, monsieur, c'est quoi ces problèmes? Moi, je te dis que c'est pas moi, mais tu insistes. C'est parce que tu as mis ma place, tu veux me dénigrer. Moi, si j'ai une voiture, moi, si j'ai tout, c'est quoi? Mais Zrobo, c'est Abyss, hein? C'est pas, je te connais pas, c'est pas moi. Mais comment il prend le goudron miègue? Bon, c'est mes petits, aidez-nous le quartier. Mais elle a trompé, mais ouais. Non, c'est pas un problème. Comme moi, moi je vais continuer. Attends. Notez-vous un peu. Pardon, c'est attends, non, t'es quoi? Mais je veux que tu me parles. Non, c'est Fongbe. Quoi, c'est Fongbe là, ouais. Mais Zrobo, je te parlais à moi, alors, écoutez, il est où? Donc, tu cherches ma femme. C'est une de que nous assistons. Mais elle est où? C'est Fongbeo. Le patron, s'il te plaît,
Poste. Putain.